Hey, salut tout le monde, c'est Quamringus, bienvenue aujourd'hui pour la deuxième étape du Tour 2014 V1. Juste en compagnie des deux mêmes gaillards, les mêmes loustiques qu'hier, salut à toi Olivier. Salut, salut. Et salut Johan. Salut. Voilà, donc aujourd'hui, une étape de sprint, vous le voyez, 127 km avec les premiers points de la montagne, en 3e et 4e catégorie. On va laisser Olivier et Johan nous parler des favoris, les voici. Petit laps de temps, le temps que je partage d'écran. Tu commences, Olivier ? Eh bien, comme tu veux, vas-y. D'accord, alors on a en grand favori Loulou Wissemwa de la Giant. On a André Best, je mets une petite pièce sur lui pour ma part. Et on a Gilong, ouais. Que j'aimerais bien qu'il gagne, mais j'avoue que je n'y crois pas trop. Moi, je pense aussi que la concurrence va rester assez rude à ce niveau-là. Surtout que le final est assez plat, la dernière difficulté ne fera pas de gros écarts, donc ça va être vraiment un gros sprinter, ouais, qui devrait gagner. Après, ce qui peut se passer, c'est aussi au niveau des trains, tout ça, faut voir, voilà, après... la Quick-Step, c'est vrai que malheureusement, ouais, Giant, ouais, ça va être dur, parce que... L'auto, ils ont peut-être misé plus sur la montagne, les vallons, tout ça. Et la Katusha, bon, on a que Caruso, enfin, Yonoviaz et... Je sais plus ce qui est l'autre. C'est qui l'autre? C'est qui nous a emmené hier, avant-hier, mais lundi, c'était. Close, oui, c'est ça, c'était ouais. Close, c'est ça. Qui nous avait emmené. Donc voilà, C'est pas bien si tu oublies tes équipiers. Hein. Ah bah écoute, hein, on fait ce qu'on peut. Hein. Bon. Sur ce, on va démarrer tout de suite. Rendez-vous pour le départ de cette deuxième étape. Oh, je suis perdu, moi. 127 km et qui sera le premier porteur de maillot. D'ailleurs, il y a une petite surprise, un petit changement. Enfin, vous verrez ça. Allez, à tout de suite. Nous voici donc au départ de cette deuxième étape. Vous voyez le profil. On peut enlever la pause. D'ailleurs, ça serait peut-être mieux pour que ça se lance. Voilà, donc bon, il y a 3 points à prendre. Hein, voilà, donc il y a pas. Mais il y aura un premier maillot. C'est toujours important de porter le maillot de maillot distinctif. C'est toujours important. On voit l'arrivée derrière nous. Vous avez vu là rapidement. L'arrivée se passe juste derrière le départ, en fait. C'est un circuit, non ? Non, c'est pas un circuit, mais c'est juste que voilà, c'est dans la même ville qu'on va dire, voilà. Ça... D'accord. C'est une boucle. Une grande boucle. Tout à fait, grande boucle. Trofimov, donc toi, non, tu partiras pas, bien sûr. Yonoviaz. C'est moi. Yono. Qui va essayer de partir. C'est encore moi. Il va se bloquer. Non, ça part pas, on verra. Allez, c'est parti, en tout cas, Yono qui tente. Personnellement, j'y crois pas trop. Y croire. Faut faire attention à Ozora parce qu'on sait qu'il tient pas beaucoup sur sa selle. Il voilà. Faudra faire gaffe Ozora, ouais. C'est top, hein. Et Damien aussi. Hein. Oui. Merci. Ouais, Damien, ouais. Bon, ça part pas, bien sûr. On s'y attendait un tout petit peu. Donc, j'aurais dû prendre les 5 minutes. Ouais, donc, c'est même pas toi qui dérange au final, parce que ça continue de rouler, donc non, c'est même pas toi qui dérange. Ouais, les Giants qui continuent l'effort, et puis ça réattaque partout sur le côté. Ouais, le mec ça roule à fond, ils attaquent quoi les gars. Non mais je m'attends à une échappée qui sort à peu près au milieu, comme la première étape. Au là, début ça va être comme ça. Il y a quand même le premier col qui approche, hein, donc voilà, on va quand même essayer avec Yonoviaz, qui est le préposé à essayer de choper le petit point de montagne. Je veux la prime. Voilà, alors que nous voyons Berger qui vient de sortir de l'écran. Oui, et ça attaque encore. Hein. Décidément, là, ça attaque, ça roule très très fort. Ils vont se calmer dans la montée, à mon avis, les gars. Là. Ils vont se calmer. Ouais. Là, j'aime parce que Yonoviaz est un petit peu trop à l'intérieur. Va à l'extérieur, t'as bloqué. Ah les gars de la Giant qui se montrent. Et voilà, il est bloqué. Yonoviaz. Aucune intelligence de course, Yonoviaz. Je lui dis, hein, t'as vu d'aller à l'extérieur. Là, attends, je vais te donner des coups de coude, tu vas voir, ça va, il va y avoir des chutes. Ouais, ça passe là, peut-être. Ah oh, merci, mon entendu, c'est pour ça qu'il s'écarte. Oula, un petit ralentissement, mais c'est normal. Encore une fois, je suis en partage d'écran, hein, donc il peut y avoir des petits ralentissements. Oh putain, il plaque, bravo. Ah, pas mal serré, hein. Ah, allez, passe à droite, voilà, mettons à gauche, à droite, voilà, ça s'écarte, c'est bon. Sur la allez. Gauche. Allez, vas-y, passe. Oh. C'est bon. Un Rika et un FDJ. Ouh, on esquive la voiture. Ah, Garmin. De préférence. Lamprey. Ouh, plus 4 pour Yonoviaz provisoire. Ouh, ça sent bon ça. Ouais, je suis en forme, t'as vu. Et on va même faire, allez, on va être gentil. Hop là, voilà. Ouais.
Voilà, pour une fois qu'il gagne des points. Il a failli se faire avoir en même temps. Il a failli se faire avoir encore. Ouais, ça serait un comble, ça ferait deux fois. Avons, et on est parti, on ne sait plus. En tête. Voilà. À 9 ou c'est... Ah non, à 4 ou 9, j'arrive pas à lire. Yonevias, Tiernanlock, Jérémy Roy, Durashek, Ferron. On a aussi, j'arrive pas à le voir lui, The Kid qui est avec nous, Malgogne, donc Durasek, et oula, Bob Marley qui se relève, lui n'arrivait pas. Marley se dit non. Oui, Bob Marley c'était juste à mon avis pour le sprint. Oui, tout à fait. So qui était déjà lié à l'attaque hein, sur la première étape, est-ce qu'il aura plus de réussite, nous verrons bien. Et ça revient parce que comme il y a eu des attaques, bah, du coup l'échappée, voilà. Voilà. On était parti hein. Ça roule dans le peloton. Enfin bref, voilà, donc l'échappée à mon avis c'est foutu. Pourtant on était bien parti là, le peloton ne roulait pas et maintenant qu'on est 10 devant. Pas sûr devant... que ce soit foutu en fait, hein, parce que tu regardes, il y a beaucoup d'équipes représentées à l'avant du peloton. Ouais. Enfin, dans l'échappée. Et donc bah forcément c'est soit les Lotos, soit les Giants qui sont obligés de rouler. Tout à fait. Et ils roulent. Sur ce en tout cas nous. Excuse-moi Yon, tu disais. Et ils roulent fort. Oui, c'est oui, tout. Il roule. Ouais. Mais bon. C'est pour ça que Yono, d'ailleurs, devant, excusez-moi, il va pas rouler, ça sert à rien. De toute façon, là, c'est fini. Plus 2 en tout cas, définitif pour toi. Bien, Damien Rose, plus 3. Peut-être plus 4 pour Comingus. C'est génial. Je vois un petit moins 5. Ouais, moins 5 pour Kolobnieff. Ouais, ouais, ouais. Et Léo, mon petit Gilong, plus 3 peut-être. Ah, c'est pas de sympa, ça, plus 3. Alors que ça réattaque dans l'échappée. Ouais, bah Yohan, Yono, il va essayer aussi. Hein. Ah, plus je suis on fire. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que tu ne t'arrêtes pas. Jusqu'à l'arrivée. Allez, c'est parti. Ouais. Je crois en toi. Qui c'est qui me suit? C'est Peter Nordog qui me suit. J'ai déjà annoncé que j'avais fait une visite médicale. Ils vont croire qu'il se sont passé des choses. Hein. Oh, bah tu sais, il s'en passe tellement de choses que c'est possible. Et ça roule encore, que le mieux est chez bidon. En tout cas, nous on va se laisser là, écoutez, parce que bon, mine de rien, voilà. Bah, on va pas non plus faire toute l'étape, ça fait déjà 20 bandes qu'on fait. Donc là, je n'oublie pas, je ne coupe pas l'enregistrement, donc c'est parti pour l'accélérer la musique. Et on se retrouve, comme d'habitude, pour les 20 ou 30 derniers kilomètres. A tout de suite. On se retrouve, j'en perds ma voix, excusez-moi, on se retrouve à 21 km de l'arrivée, et vous le voyez, alors il se passe beaucoup de choses, je vais pause, je ne fais jamais ça, mais là, ça mérite une pause quand même, là, ça mérite une pause, car c'est assez hallucinant ce qui se passe, on voit que devant, il y a l'équipe Omega Pharma qui est bien, il y a la Giant qui est bien,
On peut voir quelques coureurs comme mon fils, donc il y a quand même Contador qui est là. Enfin, Contador c'était mon fils, mais bon, excusez-moi, j'ai un petit peu mal des fois. On a Naoj. Il y a Naoj qui est là aussi. Il est où Naoj? Il est. Je sais pas où il est Naoj. Il est où Naoj? Avec un maillot Astana. Ouais, mais je ne trouve pas Naoj. Tu l'avais passé. Voilà, il est par là. Là, tu l'as repassé. En dessous de mon fils. Ah, il est là, voilà. Naoj, voilà. Donc voilà, donc on va dire l'équivalent de Nibali donc, pour un petit peu vous situer. Derrière, nous avons lui. Bon, on s'en fout, quand même meilleur. Ici, il y a Quamengus, Yonevias. Avec moi, il y a Polanch, Malgogne. Et regardez bien. Regardez bien. À 15 minutes, le peloton est malheureusement. Qui trouve-t-on ce peloton? Ozora. Voilà. Pourquoi la Sky est là? Elle ne roule pas. Les Movistar non plus d'ailleurs, parce qu'au final. A aussi perdu du temps. Voilà. Alexis Bernard est là. Pareil. Alexis Bernard, il est. Il est là. Donc les deux, encore une fois, ensemble. Ils sont toujours ensemble. La G2R non plus ne roule pas. Ah ouais, là, mais personne ne roule. Bah, toutes les équipes de grimpeurs ont décidé de faire aller tranquille. Voilà, sauf quelques-uns. Sauf Astana. Et avec qui aussi? Et Tinkoff aussi. Ouais, et puis moi, voilà, parce que je me suis dit, il faut quand même que je fasse quelque chose. Parce que voilà, il reste. Quand j'ai vu que ça bougeait pas, j'ai tenté quelque chose, je vais attaquer vite fait pour voir un petit peu. Et puis, personne n'a roulé. Ouais. Tout s'est passé au niveau. Au moment du sprint, hein, quand le peloton a accéléré pour faire le sprint, et ben. Ils sont revenus sur l'échappée, et puis, d'un seul coup, la cassure. Et les pelotons n'ont pas voulu revenir. C'est assez incompréhensible. Alors, ça, c'est maintenant qu'ils commencent à rouler derrière, ça roule maintenant. Ça y est. Ils sont à 15 minutes, ils disent les gars, allez. On va peut-être rouler maintenant, les gars, voilà. Ouais. Et c'est qui roule? Encore, ça roule, oui, ça roule un petit peu, mais bon, c'est pas non plus. En tout cas, ce sera une bonne affaire pour les grimpeurs, là. Enfin, Nibali, Contador et Mofis et Naoj. Voilà. Moi, quoi, du coup, c'est pas si mauvais. Moi, j'ai quand même perdu 3 minutes sur eux, hein, même 4 minutes sur eux, à mon avis. J'ai pas fait gaffe qu'ils étaient devant, donc du coup j'ai réagi un petit peu tard malheureusement, sinon j'aurais réagi direct, mais là, ouais. On pensait à l'origine que c'était un groupe uniquement composé de sprinters. C'est ça. Et après, c'est à ce coup, on s'est dit, ah bah non, merde, il y a lui quand même là. Bah voilà. Enfin bref, on va quand même aller regarder, donc moi je continue à rouler à 85, on va quand même se ce qui se passe devant, il reste plus que 8 km donc. Alors là, ouais, c'était vraiment un coup de théâtre assez énorme, c'est la deuxième étape du tour. Une étape... normal, une étape sans difficulté, sans rien. Et voilà, il se passe toujours quelque chose sur les tours. Mais le problème, ça va être les délais aussi. Ah oui, parce que sur 120 bornes, c'est pour ça qu'il roule, je pense, d'ailleurs, le peloton, là. Peut-être. Parce qu'ici, ouais, ça serait logique. Alors, attendez, on va essayer de suivre un petit peu ce qui se passe là. Donc les Giants, là, ils sont en puissance, hein, les Lotto aussi, sont bien. On a quelques lâchés à l'arrière de ce groupe, d'ailleurs. Ouais, on perd quelques unités, voilà, ça roule fort, là, les Giants, les Omega. Attention, c'est le dernier kilomètre, oui, déjà, ça roule vite. Qui va gagner? Schlecki. Ah bah oui, de Gainkolb. Et c'est... Ouf, c'est la victoire. Ouais. Schlecki, oui, Loulou, oui, c'est moi, McFleury, Zizou, Sheriff, Best, Pebreuil, Brasseur, Didileo, Mars, voilà. Le top 10. Ah, il y a un beau doublé de la Giant. Tout à fait. Qui a bien mené sa barre, quoi. Au moment pour le sprint intermédiaire, eh ben, qui a fait rouler tous ces gars à l'avant, ce qui a provoqué la cassure, et puis ils sont tous retrouvés en tête de course. Pourquoi qu'il va déposer les autres? Excusez-moi. Voilà, donc, merci, bon, t'auras pas réussi à nous ramener, mais t'es un petit peu tard malheureusement, puis devant toute l'équipe Giant qui roulait, tu pouvais pas faire grand-chose. Moi j'espère là que le peloton va se réussir à éviter les hors délais parce que ce serait un peu dommage. Oui, mais je pense que vu comme ça roule, ils seront à 15 minutes, je pense, à peu près 15 minutes. Ouais, ça va faire beaucoup. Puis voir autant d'éliminés une seule fois, ça, à mon avis, ça passera pas. Commissaire de course pourrait peut-être faire quelque chose pour éviter justement l'élimination en masse. Il faudrait espérer. En tout cas, faut imaginer que là, la Movistar et la Sky perdent 20 minutes maintenant. Ça fait beaucoup, hein. Après les 5 de la première étape, là, ils vont encore perdre 20 minutes, ouais, quasiment. Autant voir la Sky perdre 5 minutes, j'étais content, mais là, 15 minutes, ça fait beaucoup, hein. Bon, oui, j'avoue que là, j'ai du mal à comprendre, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, là. Le pire, c'est qu'encore, ils se font avoir.
Mais quand moi j'ai attaqué, ils auraient dû rouler direct, au moins. Et du coup, par là, après, continuer à rouler, mais là. Parce qu'on s'est fait avoir, mais moi je me suis fait avoir, hein, sur le coup, j'ai pas fait gaffe qu'il y avait les deux leaders devant. Enfin bref, voilà, après c'est comme ça. Malheureusement, il y en a 20 minutes déjà. Il y a le sprint du peloton, on va comme le voir. Tu crois, là. 2 minutes de retard sur du plat. Geelong, voilà. Facile. En même temps, je crois que ça doit être le seul bon sprinter qui devait rester. Oui, il devait plus y en avoir beaucoup. Enfin, voilà, donc, cette deuxième étape. Alors, je suis désolé pour Tsubasa qui est parmi nous, là, justement, voilà, parce que, on avait dit, allez, pour une fois, quand même, que, allez, et voilà. Ouais, G2R et Movistar, et Sky, bien sûr. C'est triste. Oui, mais c'est vrai, en plus, non, mais ça, ouais, c'est... Après, bon, c'est le tour, c'est comme ça. Il gagnera des étapes quand même, c'est sûr. Il fera mal quand même. Mais bon, voilà. Là, ils seront obligés de rouler sur en montagne, parce que là, sinon, c'est mort. Enfin, sinon, ils se sont dit, on va viser les étapes. Je rappelle quand même le classement d'étapes. Hein. Schlecky, oui, c'est moi. McFlurry. Ah merde, je ne peux plus. Je parle trop. Bref, nouveau leader, Didileo, leader. Devant Zizou, Brasseur, Quentin Rodriguez, Naoj, Sheriff, Mars, Best, Mon Fils et Mac Kengi. Voilà, nouveau leader. D'ailleurs, j'ai pas viré le. Bah oui, je pensais pas qu'ils auraient un maillot de leader. Hein. Voilà, c'est bon là. Schlecky, maillot vert, nouveau maillot, voilà. Nouveau maillot pour cette course. Un beau maillot, il est sympa. Il est pas mal, ouais. Il va bien. J'aime avec bien. Il va avec les demoiselles. Le grimpeur, ce sera Yonevias, hein. Bien joué. Avec deux petits points, mais tu seras le. Voilà. Avec le beau maillot aussi qui pète bien. J'aime bien. Il me va bien. On te verra bien comme ça sur la prochaine étape. Ouais. Le meilleur jeune, bon, on verra bien. Parce que du coup, ça fausse tout là. Ça, c'est bizarre là. Je m'en remets pas vraiment, moi, de ce qui s'est passé là, j'avoue que. Zizou, le meilleur jeune. 5 minutes 55 d'avance, tranquille lui. Avec le beau maillot PlayStation. Heureusement que je suis assis parce que je suis sur le cul. Non, mais y'a quoi, hein. Et par équipe, c'est la Lotto Eden Park. Voilà. Et puis là, on regarde les écarts. Ah oui, y a que la Omega qui est dans le même temps. Et Belges. Après les autres, la ramasse. Hein. 7 minutes après la FDJ, la Giant. Oui, voilà. Et puis après, on dépasse les 20 minutes. Quoi. Quand tu vois que le 10ème à la 41 minutes. Après en montagne, voilà, ça se rééquilibrera, mais bon. Ouais, mais 20 minutes, ça fait beaucoup. Hein. Ouais. Pas de hors délai, en tout cas, bon, c'est déjà le important, on va dire, même si c'est pas. 30 minutes. Ouais, il y en a certains qui ont fini très très loin. Hein. Donc voilà, le classement d'étape, quand même, on va quand même le regarder vite fait. Vous mettez pause, hein, comme d'habitude, si vous voulez voir quelque chose. Voilà, 20 minutes 40, le peloton, quoi. Et ouais. C'est un peu la désolation là, je ne vous cache pas que c'est un petit peu la désolation, mais bon, c'est comme ouais, ça après. On a un petit peu sans voix en fait. Oui, ouais. Bah, comment veux-tu réagir Comme je dis, qu'on se fasse avoir, ok, mais ne pas réagir comme moi j'attaque tout seul en plus, pourquoi tu réagis pas? Enfin, quand j'y tue le peloton, je veux dire. Enfin bref, le classement, quand même, voilà, un petit peu de. Tant mieux pour vous, hein, ceux qui êtes devant et tout, bah c'est bien, voilà, vous êtes devant. 6 minutes. Le tour n'est pas fini, encore une fois, attention, bien sûr. Hein. On n'est qu'à la deuxième étape. Bon, après 20 minutes, certains reprendront 7 ou 8 ou 9 sur le chrono. En montagne, ils en reprendront un petit peu quand même. Donc voilà, honnêtement, rien n'est perdu. Hein. Il n'y a pas de. Mais c'est quand même 20 minutes, quoi. C'est pas. Voilà. C'est clair que ça va être difficile. Et puis, surtout que. Naoj et tout ça, bah, contre la montre, ils sont pas aussi mauvais que Quam, hein, par exemple. Voilà, ils sont meilleurs, quoi. Donc, c'est les équipes favoris quand même, Sky et Movistar. Voilà. Bref, bah voilà, donc rendez-vous pour la troisième étape, qui est la même, mais à l'envers en fait, mais t'es pas foulé hein, sur ce coup-là. Oui, encore un écart de 20 minutes en vue. Ah bah... Faudra voir. Pas mal. Écoute, hein, on verra bien. Non, non, non. Les favoris, donc, ce seront qui? Bah, ce seront les mêmes, hein, vu que... C'est la même étape, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas les mêmes. Ah, c'est un Pebroy qui est là maintenant. Enfin, bref, voilà. Donc là, c'est, excusez-nous hein, pour ce ton un petit peu bizarre par moment, parce que là, on est un petit peu sur le cul, c'est normal après un coup comme ça. Comment s'en remettre
Bah, avec une victoire de Tsubasa Zora sur la troisième étape, par exemple. Bah, ça sera quand même difficile, je pense pas. Quoique maintenant, avec 20 minutes, plus de 20 minutes de retard, hein. Oui, partir en échappé, je pense que c'est faisable. À condition que tu me laisses faire. Non. Non. Mais. Enfin voilà, bah, écoutez, j'espère que vous aurez plu, bon, malgré que ce soit un coup dur, mais quand même, je sais que ça va râler aussi pas mal, parce que là, Alexis Bernard, par exemple, et certains coureurs qui sont très très loin aussi, mais vous n'êtes pas les seuls, encore une fois, vous êtes beaucoup, là, vous étiez quand même, bah, plus d'une centaine, hein, enfin une autre centaine à être à 20 minutes, donc, tout le monde est dans le même lot, à part Quamengus qui a réussi à limiter la casse, il a perdu 3 minutes, je crois, 3 minutes 30, voilà. Et la Giant qui a bien roulé en équipe. Ah bah oui, bah. Après, eux, ils n'avaient aucune raison de ne pas rouler, de toute façon, au final. Hein. Ah oui, ils ont bien joué, tant mieux pour eux. Hein. Mais ceux qui ont surtout bien joué, c'est Naoj et... Je ne sais plus c'est qui le deuxième, qui joue qui. Enfin, en vrai, je ne me rappelle plus trop des fois des dons. Mon fils aussi. Voilà, Mon fils, c'est ça. En plus, Nintéo, là. Bien joué à vous, les gars. Bien joué. Vous avez suivi les sprinteurs, pourquoi on ne sait pas, mais vous avez bien joué. Vous avez senti le bon coup. Voilà. Voilà. Allez, sur ce, en tout cas, merci à vous, hein, Johan et Olivier. Et de rien. Merci à toi. J'espère que demain, pour toi, Olivier, ça se passera mieux. On verra bien. Pas demain, d'ailleurs. Ce sera jeudi, pour ce qu'on enregistre la veille, bien sûr. C'est ça. Moi aussi, je l'espère pour toi, pour le sport. Ah ouais, quand même. Ah bah, j'espère aussi, parce que sinon, là, autant je te l'éponge tout de suite. Hein. Oui, c'est sûr, c'est clair. Allez, sur ce, rendez-vous. Se poser la question à savoir si, il ne se ressent pas de la chute d'hier. Parce que peu de monde l'a vu, mais il y a une chute quand même qui a entraîné la grosse cassure qui a fait perdre 5 minutes à Froome, donc enfin à Ozora et puis Bernard. À Alexis Bernard. En tout cas, vous êtes plus coéquipier, mais vous faites tout ensemble, les gars. Voilà. La chute, leur délai, enfin pas leur délai, mais les écarts, tout ensemble. C'est ça. À croire qu'il y a une collision entre la Sky et la Movistar. Hein. Ah bah s'ils veulent revenir maintenant, il n'y a que ça à faire. Hein. Ah bah oui, c'est clair. Mais bon, après, on est dans le PCM, hein, on verra bien. Voilà. Allez, sur ce, merci à vous. Rendez-vous. Vous serez là jeudi ou pas, tiens, d'ailleurs. On en profite. Moi, oui, mais il n'y a pas de souci. Oui, je pense. Ouais. Ok, bah donc vous retrouvez les deux acolytes. Peut-être un autre, hein, si j'arrive à le choper d'ici là. Voilà, rendez-vous vendredi pour la troisième étape. 127 bornes, comme je vous le dis. C'est la même qu'on prend à l'envers. Je ne suis pas foulé pour le coup, mais c'est la seule fois. Ne vous inquiétez pas, les prochaines étapes sont toutes inédite, des parcours inédits, il n'y a pas de truc reverso comme des fois sur les grands prix. J'ai une voiture, on dit ah, il y a 120 courses, oui, mais il y en a 60 plus, voilà. Non, non, c'est la seule fois que j'avais pas, je sais pas, j'avais la flemme ce jour-là, et du coup, voilà. Allez, je vous laisse, et je vous dis donc, prenez bien soin de vous, et encore une fois, bravo aux Giants. Voilà. Allez, ciao, ciao. Ciao.